Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du Japon et vous parler un peu des préjugés qu'il y a sur le Japon. Je vais vous dire si c'est vrai ou faux, hein. Je connais un peu le vrai et du faux sur les préjugés. J'ai quand même eu une copine japonaise qui m'en a parlé justement de tous ces préjugés. Donc voilà, c'est parti, on y va, let's go. Allez, premier préjugé, le Japon est un pays propre et sûr. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh ben, c'est vrai. Le Japon, vous pouvez mettre une portefeuille sur la table. Vous allez payer un truc, voilà, faire tes courses. Une heure après, il sera toujours là. Évidemment, des fois, vous allez plus le retrouver, mais ils vont mettre directement dans des petits postes de police. Il y a, dans chaque coin de rue, il y a des petits postes de police où vous pouvez retrouver vos objets là-bas. Voilà. Tout simplement. Et c'est un pays très propre, hein. C'est rare que vous voyez des choses par terre, des papiers ou quoi que ce soit. Et c'est ça que j'adore sur ce pays. Bon, désolé si voilà, je fais des mouvements et tout ça, j'aime pas trop parler en face cam, hein. D'habitude je suis dehors voilà, à faire mes vlogs, mais vu qu'il y a le confinement, donc voilà, je fais des petites vidéos comme ça. Et il y en aura d'autres, hein, juste avant la fin du confinement. Voilà, donc allez, on y va. Deuxième préjugé, c'est est-ce que les Japonais travaillent énormément, beaucoup? Et oui, évidemment, il y a du vrai et il y a du faux. Dans les grandes villes, dans les grandes entreprises, ils travaillent énormément. Ils peuvent travailler toute une journée jusqu'à 22-23 heures. Même, il y en a qui restent dormir là-bas. Au Japon, la durée légale du travail est de 40 heures par semaine. Les syndicats peuvent autoriser des heures supplémentaires, mais les entreprises ne les comptabilisent pas toujours. Résultat, une société sur cinq contraindrait ses employés à effectuer 80 heures supplémentaires par mois. Voilà, c'est tout. Après, il y a des petits hôtels, des petits capsules hôtels qui peuvent aller dormir là-bas si jamais ils ne peuvent pas rentrer à la maison. Voilà. À savoir que le Japon change un petit peu, hein. Il y a moins de pression, les Japonais travaillent de moins en moins, mais voilà, il y a beaucoup encore de cas comme ça sur les entreprises où ils dorment, où ils travaillent énormément. Allez, troisième préjugé, c'est les Japonais sont mariés de force. Et bah, il y a du vrai et il y a du faux aussi. Voilà. Il y a une époque où les jeunes femmes sont mariées de force et ben là c'est plus le cas, mais par contre ça perdure encore quelques familles, mais ça devient très rare, donc voilà, donc ça c'est bien. Oui, le Japon change un petit peu sur ça. Voilà. Allez, on y va au suivant. Allez, prochain, c'est la gastronomie repose sur du riz, des insectes et des animaux. Et bah, c'est faux. Les Japonais ont des aliments qui sont variés, mais à la base de poisson et de riz. Mais pas seulement, hein, ils mangent des ramen, évidemment. Les ramen, par contre, c'est pas de la gastronomie japonaise, c'est la gastronomie chinoise qui est venu au Japon. Naruto. Nande anna tokoro ni rakugaki shita? Okage sama ga dou iu hito tachi ka wakatten daro. Otorimai jan. Voilà. À savoir que les aliments des Japonais sont très équilibré, c'est pour ça que le taux l'obésité au Japon est très très faible. Et voilà, c'est pour ça, c'est bien de manger au Japon, hein, si vous voulez manger équilibré. Voilà, allez, on va au prochain que j'aime le moins comme question, évidemment. Il y a beaucoup de questions là-dessus qui sont posées vraiment sur
sur le Japon. C'est parti, prochain, c'est est-ce que les Japonais sont racistes? Eh ben non, les Japonais ont peur d'aller voir justement les étrangers à cause de la barrière de la langue. Évidemment, les Japonais parlent pas anglais ni français, enfin ils ont du mal avec la langue étrangère, voilà, donc ils apprennent à l'école la langue étrangère, mais ils ne pratiquent pas, et c'est d'ailleurs pour ça que les taux au Japon sont très très faibles sur la langue anglaise. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont du mal à aller voir les étrangers. C'est pas parce qu'ils sont racistes ou quoi que ce soit. Hein. Je vous dis bien, vraiment, je vous dis bien ça parce que il y a beaucoup de Français qui viennent me voir, qui me disent ouais, mais les Japonais sont racistes. Non, ils ont très peur d'aller voir justement les étrangers à cause de cette barrière. Voilà. Mais il n'y a pas de ressenti avec les autres populations, ni de jugement sur les origines ou la religion. Voilà. C'est pour ça. Allez, on y va au prochain. Prochain préjugé, c'est est-ce que le sport national est le sumo? Eh ben, c'est plutôt faux. Les Japonais, voilà, le sport national des Japonais, c'est le baseball. Oh, mais il y en a qui vont me dire, mais le baseball, c'est pas américain. Eh ben, si, mais voilà, le baseball, vraiment, c'est le sport national des Japonais. Voilà. C'est bon à savoir. Hein. Allez, on y va au suivant. Prochain préjugé, est-ce que les geishas sont des prostituées? Et bah c'est plutôt faux. À l'époque, dans la dynastie, ils utilisaient les geishas évidemment. Mais ça c'est terminé, hein, c'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Maintenant vous pouvez aller dans des établissements, dans les grandes villes, il y a des prostituées. Donc n'imaginez pas que les Gacha vont vous faire des faveurs là-dessus. D'ailleurs, ils mettent 4 heures pour s'habiller, alors c'est pas pour se déshabiller tout de suite après. Hein. Voilà. D'ailleurs, pour les gacha, on n'a plus le droit de prendre des photos à Kyoto. Donc voilà. Donc si vous voulez aller voir les gacha, et ben imaginez pas d'avoir vraiment des clichés sur les gacha. Voilà. Allez, on y va au suivant, c'est parti. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On verra. Allez, prochain préjugé, est-ce que les Japonais sont petits, ont des petits seins ou ils ont un petit sexe? Voilà, il faut le dire, hein, évidemment. Et ben, c'est plutôt vrai, les Japonais sont de petite taille, évidemment, que les Occidentaux. Les seins c'est pareil, hein, voilà, et par contre hein, j'ai pas vérifié hein, si ils ont vraiment un petit sexe, mais selon ma japonaise, ils ont vraiment un petit sexe, les Japonais, voilà, c'est dit. Il fallait le dire ce préjugé, hein, tout le monde dit que les Asiatiques ont un petit sexe, hein. Et bah voilà, c'est dit. Après moi j'ai pas vérifié, hein, mais selon mes sources, c'est plutôt vrai que tout est petit hein, sur les Japonais. Voilà, il fallait le dire. Allez, on y va au suivant. Prochain préjugé, c'est est-ce que les appartements sont de taille ridicule et les loyers sont chers, très très chers même. Et ben c'est vrai, le Japon c'est le deuxième pays au monde qui sont les plus chers, voilà. Juste après Moscou. Évidemment, les appartements sont très très petits, hein, à part, comme leur taille. Non, je rigole. Mais oui, les appartements sont très petits et sont très très chers. D'ailleurs, j'avais dit à mes collègues, on en avait parlé cette semaine sur le Japon, est-ce que c'est très cher? Et bah oui, je confirme, c'est vraiment très très cher le Japon pour y vivre.
le loyer coûte énormément cher. Après, j'ai pas des sources pour dire combien c'est vraiment un loyer, mais voilà, en plus de ça, c'est très très petit pour surtout dans les grandes villes. Dans les grandes villes, les appartements sont très petits. Alors, prochain préjugé, est-ce que les enfants japonais doivent choisir ces trois arts martiaux, le kung fu, le karaté ou le sumo? Et ben c'est faux. Il y a de la diversité sur ça, à savoir que les Japonais sont très forts dans le sport. Évidemment, à l'école, ils font beaucoup, beaucoup de sport. Même quand ils rentrent à l'école directement, ils font du sport, quoi. C'est inné chez eux. Voilà. Mais il y a de la diversité, hein. Il n'y a pas que des arts martiaux, hein, comme j'entends le tir à chaque fois. Voilà. Donc, ça, c'est totalement faux. Par contre, voilà. Et ça se perd un peu, hein, les arts martiaux là-bas, évidemment, c'est bien dommage, mais voilà, il y a toujours ces sports de combat, plus le karaté sumo, hein, parce que le kung fu c'est vraiment chinoise et pas japonais. Voilà, les Japonais subissent régulièrement des pics de pollution et doivent mettre des masques. Et bah c'est faux. Vous voyez beaucoup de Japonais qui mettent des masques, hein, et tout le monde m'a dit que c'est dû à la pollution. Et bah oui, il y a ça, mais il y a aussi pour éviter de mettre des bactéries sur les autres personnes quand ils sont malades. Voilà, il y en a qui sont malades, et ben ils mettent directement un masque. J'avais fait une vidéo sur les masques au Japon. Si vous voulez les voir, je vais mettre en description ou juste là à cliquer, évidemment. Et donc voilà, comme ça vous allez un peu savoir pourquoi les Japonais mettent des masques. Voilà, allez, on y va au suivant. Allez, prochain, c'est les Japonais se font harakiri et croisent des ninjas et des samouraïs dans la rue. Ça, c'est faux. Ça, voilà. Je ne dirai pas pourquoi, mais ça, c'est faux. Hein? Allez. Bon, allez, voilà. J'ai terminé là pour aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce format de vidéo. Voilà. On voit bien que je suis pas à l'aise en face cam, hein. Je préfère aller dehors pour filmer que parler derrière une caméra. C'est pas mon truc à faire, mais malheureusement avec ce confinement je suis obligé de faire des trucs sur voilà, en face cam. Voilà. Donc merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, mettez un max de j'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. J'espère que j'étais clair sur ce sujet-là. Voilà, je connais très bien le Japon. Je suis sorti plusieurs fois avec des Japonaises. Donc voilà, je connais un peu ce sujet-là. Si vous avez d'autres préjugés, vous pouvez mettre en commentaire. Voilà. Allez, je vous laisse là pour aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao!